Bonjour mes petits loups. Eh ben écoutez, j'ai fait plusieurs essais en vidéo avec ma tête. Le souci, c'est qu'on voit que je suis très fatiguée et surtout que j'ai très très chaud et que mon ordinateur lui a aussi très très chaud et a du mal à gérer tout ça. Donc on n'entend plus que le ventilo, ce qui est fort désagréable pour vos petites oreilles. Donc j'ai décidé de faire et l'audio et le montage photo par la suite, ce qui sera bien plus agréable pour vous. Aujourd'hui, dans cette chronique, je m'attaque. Corinne Falbey-Desmoulins, qui nous a fait une trilogie parlant de scènes de vie, de femmes, de familles, d'objets aussi. C'est assez marrant. C'est des recueils qui montrent combien la vie peut être parfois tendre, douloureuse et terriblement émouvante pour celui qui le vit. Donc moi, j'avais commencé par Singulière, où chaque nouvelle parle d'une femme et de sa vie, d'une scène de vie. Ce sont des femmes de caractère, qui sont pourtant assez fragiles malgré tout, et vivantes, puissantes quelque part, et imparfaites. Moi, j'ai trouvé que ces personnages étaient très vrais, très, très intenses, ça m'a beaucoup touchée. Puis ensuite, on est passé à Insolite. Et là, c'était un autre panel. On est dans le plus sombre. Les textes sont toujours très forts et émouvants, et ils parlent de sujets graves, hein, pouvant toucher tout à chacun, mais avec une certaine pudeur. Personnellement, il y a une des nouvelles qui m'a extrêmement touchée, c'est Le parfum de Claire. Une vraie déclaration d'amour de son mari, et la chute est assez terrible, et j'avoue que j'ai pleuré. C'est, oui, j'ai pleuré, ça m'a amené beaucoup d'émotions, et quand je l'ai lu à mon autre, j'ai pas pu retenir cette émotion à la fin, et ma voix s'est cassée sur la fin de cette nouvelle. Mais il y a des remises en question de la vie passée, il y a des chutes très intelligente, j'entends par exemple la nouvelle où on parle de toc. Et d'ailleurs, hein, le titre de la nouvelle, c'est toc, 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 toc. Il y a une raison à ça, mais ça, on sait qu'à la fin. Et j'ai trouvé ça génial, c'est très très bien amené, on se pose plein de questions sur cette personne, sur sa vie, enfin, c'est vraiment très très bien affûté. Et puis, il y a mon préféré. Mon recueil qui, moi, m'a énormément touchée. Et c'est atypique. Rien que le titre déjà me parle énormément. Là, on va vers la famille. Des choses qui vous touchent. Je veux dire, par exemple, la nouvelle où c'est l'amour d'un fils pour sa mère. Où on découvre tout un monde, une tendresse, des douleurs, des pleurs. Et j'ai trouvé ça amené très tendrement, très doucement, et pourtant c'est assez douloureux quand on le lit. J'ai aimé parce que elles sont plus pleines par rapport aux autres nouvelles, par rapport à celles de Singulière et Insolite. J'ai une affection particulière pour, ex par exemple, pour Belle et Rebelle qui m'a énormément touchée, ou La Musique Bleue. La musique bleue, c'est celle que j'ai vraiment préférée dans ce recueil. Il faut savoir que Corinne intègre l'handicap dans chacun de ses recueils. Et pas de façon négative, non, non, du tout. De façon positive. Elle arrive à montrer qu'on peut aller plus loin que son handicap. Et c'est le regard des autres qui fait qu'on se sent handicapé, ou leur non-action, ou leur façon de nous voir. Mais certainement pas nous-mêmes, on va plus loin. C'est un défi permanent, finalement, qui amène à la réalisation de ses rêves. J'ai trouvé ça très positif et très très différent de ce que je peux voir. Et le truc qui m'interpelle aussi, c'est que c'est un des rares auteurs qui intègre justement l'handicap dans ses écrits. J'ai rarement vu ça. C'est même un manque, d'après moi, que ce soit dans les nouvelles, les romans ou l'érotisme également. C'est un vrai manque. Je serais du genre à mettre au défi des auteurs à justement à mettre des héros qui ont un handicap,
quelque chose qui fait que qu'ils sont en situation de handicap. Mais montrer le côté positif. Je vous dis, bah, c'est un sacré challenge que je vous mets là sur les épaules. Mais je pense que ça peut être intéressant parce que ça peut changer aussi les façons de voir. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Sinon, je vous propose de lire un petit bout de Atypique. J'avais trouvé, enfin pour moi, celle qui m'a bien branchée et que j'ai trouvée très belle. Enfin, l'une des... Il y en a plein que j'ai aimé, donc c'est un peu compliqué, mais c'est la musique bleue dont je vous parlais tout à l'heure. Ce soir, je l'ai entendu. Je l'entends toujours quand quelque chose d'important va changer dans ma vie. Juste quelques heures avant, qu'il s'agisse d'un événement heureux ou d'un cataclysme prêt à s'abattre sur moi, elle est là. Elle m'avertit du changement imminent. J'étais accoudée à la fenêtre de ma chambre et je rêvais. Mon regard ne voyait pas l'herbe folle du pré devant la maison, ni les arbres de la forêt bordant l'horizon, mais plus loin que tout ça, bien plus loin. Et c'est à ce moment qu'elle est venue, la musique bleue. Je n'avais que 4 ans, et c'était ma toute première partie de pêche. Papa m'avait fait asseoir sur un siège pliant près de lui, puis il m'avait mis la canne dans la main. Elle était légère, fine et souple, comme la branche d'un noisetier avec lequel il m'avait fabriqué un petit arc. J'étais heureuse d'avoir ce papa-là. Il s'occupait beaucoup de moi et nous faisions toujours ensemble des activités passionnantes. Maman nous avait rejoints un peu plus tard en m'amenant mon goûter. Je me souviens que j'avais attrapé 2 poissons. Papa m'avait aidée à les ferrer et j'étais très fière de moi. Mais je crois que je l'étais plus encore d'avoir partagé ce grand moment de complicité avec lui. Alors que je croquais dans ma pomme avec un bel appétit, maman avait dit tranquillement une phrase toute simple. On ne sait jamais combien, parfois une phrase toute simple, peut s'inscrire en soi pour la vie. Sans doute avait-elle levé la tête vers les chênes à l'ombre desquels nous étions installés. Car c'était l'été, et il faisait chaud au bord du lac. J'entends encore la douceur de sa voix claire. Vous avez raison d'en profiter. Le ciel est tout bleu aujourd'hui. Pour moi, la sérénité de ce moment, la chaleur, le bien-être, le chant lumineux des oiseaux un peu plus loin dans les arbres, tout était devenu bleu. C'est alors que je l'avais entendu pour la première fois. Le soir même, mes parents m'annonçaient que j'allais avoir une petite sœur. Maman avait raison, nous avions bien fait d'en profiter, papa et moi. Plus rien n'allait être pareil. Je vous laisse lire la suite dans Atypique, donc le 3e recueil de Corinne. Je vous mettrai les liens pour pouvoir acquérir ces livres, mais je vous conseille grandement également de faire connaissance avec cette auteure très particulière, avec des sourires et du soleil dans la voix à longueur de temps. C'est quelqu'un de très compréhensif, de très gentil. Si vous avez l'occasion de lui parler, vous verrez qu'on retrouve en elle toutes les émotions et les tendresses qu'elle nous met dans ses nouvelles. Je vous présenterai plus tard son livre, son roman, Les cadeaux du cœur, que je n'ai pas encore fini, et vous en ferez une chronique plus tard. Mais j'avoue que j'en ai quelques-unes à vous faire avant. Je vous dis à bientôt, les écanets. Soyez sages.